Que des liens tissés entre nos deux peuples et quelle fierté de participer à ce 17e sommet de la francophonie organisé ici à Yerevan. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames, Messieurs, la relation première de l'être humain à sa naissance est celle qu'il établit avec sa mère et qui va déterminer sa langue maternelle. Cette langue va le construire et le singulariser. Puis, au cours de sa vie, la découverte d'autres langages va le mener vers de nouveaux enrichissements intérieurs. Pour moi, chaque langue est un être dans l'être. En connaître plusieurs, c'est se multiplier. Et j'estime que dans mon pays, le franco-libanais est presque une langue originale de plus. Ma rencontre avec la langue française m'a permis de mieux comprendre l'humour et la spécificité de la pensée de la société française. Du coup, je pense en français quand je parle avec des Français, comme se plaisait à dire l'empereur Charles Quint. J'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis, le français pour me parler à moi-même. Le vecteur de la langue est le pont idéal pour relier différentes cultures et identités. Ainsi, au-delà de l'amour pour la langue française, la francophonie a pour objectif l'intensification du dialogue des civilisations, le rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle. De ce fait, la présence de la francophonie au Proche-Orient ne fait qu'affirmer cette solidarité avec la langue et la culture arabe. On fut témoin du 9e sommet de la francophonie tenu à Beyrouth en octobre 2002 et la 6e édition des Jeux de la francophonie en 2009. À l'heure où de partout surgissent des forces autoritaires, identitaires, qui n'hésitent pas à flatter le sentiment d'exclusion et d'ostracisme. Plus que jamais, la francophonie doit affirmer sa mission de vivre ensemble. Aussi, le thème qui nous réunit aujourd'hui me semble essentiel. De par sa société et multiconfessionnelle, le Liban est un monde en miniature. Après des années d'épreuves, nous avons réussi à dépasser les tentations de vivre en soi. Le livre en commun est notre volonté à tous. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore et de ce qu'il méconnaît. Percevoir l'autre avec ses différences et ses ressemblances permet la coexistence. D'où l'urgence de créer des institutions internationales spécialisée dans la formation et la diffusion du dialogue entre les civilisations, les religions et les ethnies qui permettrait d'instaurer une culture de la paix. De par sa société plurielle, où coexistent chrétiens et musulmans, se partagent le pouvoir et l'administration. De par l'expertise acquise par ses ressortissants, disséminés à travers le monde et par la succession de civilisations et de cultures sur son sol au fil des siècles. Le Liban est un exemple unique, habilité à créer une académie internationale chargée de promouvoir des belles valeurs.
j'ai présenté aux Nations Unies la candidature de mon pays pour devenir le siège officiel de l'Académie de l'Homme pour la rencontre et le dialogue. Et nous aspirons à ce que cette initiative soit consolidée par la ratification d'une convention multilatérale. Votre soutien et l'implication des institutions francophones sont essentiels pour nous permettre de réussir ce défi. Mesdames, Messieurs, l'essor de la francophonie au Liban, pays qui reste la locomotive francophone du Moyen-Orient, est plus important que jamais au vu de la situation conflictuelle qui règne dans la région. Je me réjouis de la décision prise d'ouvrir Beyrouth un bureau régional de la francophonie pour le Moyen-Orient. Je salue tous ceux qui... ont contribué à cette décision en leur promettant l'appui nécessaire pour soutenir la mission de ce nouveau bureau. À la question posée au grand Charles Aznavour, se sentait français, il a répondu oui à 100%. Et s'il se sentait arménien, il a dit oui à 100%. Une preuve de plus que le multiculturalisme a du talent. La disparition de ce défenseur de la langue française qui nous a laissé des chansons immortelles a affecté les Libanais qui le considéraient comme un des leurs. Perdre une langue est pour moi aussi douloureux que perdre un être cher. Aujourd'hui, la langue française perd son âme sur les réseaux sociaux. Les phrases sont déconstruites, les mots phonétiques et l'orthographe défunts. Veillez à ce précieux héritage et le transmettre aux générations à venir est de notre devoir. Merci de votre écoute.